Bienvenue ce dimanche parmi nous pour un temps de célébration. Comment allez-vous ? Je disais, comment allez-vous ? Bien, ça va ? Bien, on est là ensemble, heureux pour glorifier notre Seigneur et de pouvoir avoir un moment où Dieu va pouvoir encore nous visiter. Alléluia ! On s'attend à sa grâce, à son amour, à sa présence. On veut accueillir également tous ceux qui sont sur Internet et qui nous rejoignent en ce moment, qui se connectent, soit sur la chaîne YouTube, certains sont sur Facebook également, et puis d'autres sont sur Zoom également, se connectant, soit par téléphone. Soyez les bienvenus et que le Seigneur puisse vous bénir également là où vous vous trouvez. Voilà, on est heureux, je vous invite à prendre place au balcon. Vous nous entendez bien ? Il y a du son ? Il y a de l'image ? C'est super ? Soyez bénis là-haut, on est heureux d'être ensemble et de pouvoir profiter de ces instants, de ces moments. La louange, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour faire quoi ce matin ? Nous amener dans un petit truc un peu moyen, un peu... où vous avez décidé de nous mettre le feu ? On va mettre le feu. Le feu ? Ah oui, le vrai feu ? Le vrai feu. Le feu de l'esprit ? Yes. Vous êtes prêts pour ça ? Alléluia, on se lève ? On prie ensemble et on laisse la louange nous amener dans la présence de Dieu parce que c'est là l'objectif maintenant. Amen. On veut rentrer dans la présence du Seigneur et pouvoir laisser ensuite le Saint-Esprit nous visiter et nous accorder toutes ses grâces. Priez avec moi ce matin pendant quelques instants et demandons au Seigneur son intervention dès maintenant. Nous réclamons ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous réclamons ta grâce. Te demandons vraiment d'intervenir et de te manifester pendant le temps de ce culte avec puissance. Viens déverser ton amour et ta fidélité encore dans nos cœurs, dans nos vies, ta miséricorde, toute ta compassion. Nous avons tellement besoin de toi. Alors viens, Seigneur, toucher encore nos vies, toucher nos cœurs. Pour nous qui sommes là, en présentiel, mais également pour nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, viens les visiter également, là où ils sont, là où ils se trouvent. Pour ceux qui regardent aussi la vidéo plus tard, en différé, eh bien, accompagne-les de ta grâce et ta miséricorde aussi. Fais du bien. Merci pour tous les témoignages que nous avons de ce que tu accomplis dans le cœur et la vie d'hommes et de femmes. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Alors ce matin, la seule chose que nous voulons faire, c'est, même si nous avons peut-être mille et une choses à te demander, ce que nous voulons faire, c'est simplement te louer, t'adorer et te célébrer. Et te dire, Seigneur, merci. Parce que nous savons que ta présence va descendre jusqu'à nous. Et nous allons pouvoir te rencontrer ce matin comme dans un cœur à cœur, pour pouvoir simplement être en communion avec toi. À toi la louange, à toi toute la gloire. Conduis ces instants pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble ce matin. Alors je dis bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et nous allons commencer avec le premier chant qui nous dit « Christ est la lumière ». Mais je voulais vous dire quelques mots. Quelques mots pour dire que Christ est la lumière et cette lumière, elle brille sur la terre, dans les maisons, dans les vies. Et rien ne peut empêcher cette lumière de briller. Sa lumière, elle nous éclaire, elle nous conduit, elle nous permet d'avancer en toute sécurité au quotidien. Personne ne pourra éteindre cette lumière et elle brille parmi nous maintenant, en cet instant même. Alors tous ensemble, prenons ce chant qui dit « Christ est la lumière ». Gloire recouvre la terre, puissance infinie.
Digne le
Secouru. Il a payé le prix à la croix pour chacun d'entre vous. Nous sommes libres désormais et à jamais pour l'éternité. Alors, prenons ces quelques minutes pour élever nos voix vers le Seigneur. Quelques mots pour exprimer avec ce que nous sommes, ce qu'il est, ses bienfaits. Ne prenons rien pour acquis, ce qu'il nous a donné chaque jour avec amour, avec joie. Parce que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alors élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur et manifestons notre reconnaissance vers le Seigneur parce qu'il en est digne. Il en est digne de recevoir la reconnaissance. Thank you.
de méfiance vis-à-vis de ton Père. Il veut te faire connaître son amour, sa douceur. Ce matin, il veut se révéler, il veut révéler ce cœur de Père. Mais pour cela, il faut que tu laisses tomber ta carapace, parce que tu ne peux pas goûter à sa présence, parce que tu as des regards qui ne sont pas bons, parce que Dieu est doux, Dieu est humble, Dieu veut venir avec sa douceur, avec son amour. Il veut que tu goûtes à la douceur de Dieu, il veut que tu goûtes à son amour, il veut te recouvrir d'un vêtement de douceur, il veut te faire sentir son amour. Parce que ton cœur ne frémit plus, ton cœur ne tressaille plus dans sa présence. Tu restes distant, tu restes fermé, tu restes et tu as toutes sortes de carapaces. Ce matin, le Saint-Esprit veut venir. Le Seigneur veut te remplir de sa douceur, de son âme. Le Seigneur veut tout à nouveau te visiter, te renouveler. Ce matin, laisse ta carapace. Ce matin, laisse et répands ton âme devant Dieu. Répands, parce qu'il veut te fortifier, il veut te visiter, il veut te remplir tout à nouveau de son amour, de sa douceur, de cette compassion. Il veut encore que tu puisses vibrer et que tu puisses dire « Abba, Père, sois glorifié, Père. » Seigneur, je réalise ce matin que tu es encore vivant. Tu n'es pas sur la croix, tu n'es pas dans le tombeau, mais tu es auprès du Père, à la droite du Père. Tu es vivant, tu veilles sur nous, tu gardes nos pas, tu nous éclaires. Oui, Seigneur, je crois que tu es vivant. Je sais, Seigneur, que malgré les circonstances, malgré ce qu'on peut voir, malgré ce qui peut... L'avenir nous réserve. Je crois, Seigneur, que tu es là à nos côtés, que tes promesses sont encore réelles, Seigneur. Oui, je crois que tu es ce Dieu vivant, merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Ton amour est incomparable. Ton amour est inconditionnel. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Je ne peux pas, je ne veux pas m'éloigner de toi, être loin de toi. Oui, Seigneur, je viens à l'autel et j'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne tout parce que je peux te faire confiance, Seigneur. Je peux m'appuyer sur toi. Tu es un rocher sûr sur lequel je peux m'appuyer quotidiennement. Alors reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur de nos cœurs, Seigneur. Reçois ce doux parfum encore ce matin. Sois exalté, sois magnifié, car tu es digne de recevoir. Merci. Toute la louange, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. La louange est une arme puissante que tu nous as donnée pour pouvoir te glorifier. Et c'est avec joie que nous l'utilisons pour pouvoir t'élever, te glorifier. Parce que tu es le roi et personne ne peut te détrôner. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous croyons ce matin que si nous nous approchons de l'autel où le Seigneur a été crucifié et ressuscité, il est celui qui répond à nos besoins. Il est celui qui est vivant. Et il est celui qui agit encore aujourd'hui. Si nous le croyons, alors donnons-lui l'occasion ce matin de pouvoir manifester sa bénédiction dans notre vie. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour prier ? Pour prier pour nos besoins, une situation à travers de laquelle vous traversez aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut aussi étendre notre prière et prier pour nos frères, nos sœurs qui sont là,
ce matin. Votre conjoint, votre conjointe, peut-être le frère, la sœur qui est devant vous, à côté de vous, sans forcément se toucher, se prendre dans les bras. Mais est-ce qu'on peut avoir un temps d'intercession? Vous savez, lorsque nous croyons que Dieu est vivant et que Jésus n'a pas dit son dernier mot en certaines circonstances, alors c'est l'occasion de nous approcher de lui. La Bible nous dit que si nous ne demandons pas, nous ne recevons pas. Mais elle dit aussi que si tu demandes, peut-être que tu reçois. Amen. T'as bien fait de me reprendre. La Bible dit que si tu demandes, tu reçois. Quand tu frappes à la porte, il ouvre. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons lui donner comme occasion. Est-ce qu'on pourrait se lever au balcon ou ici pendant quelques instants à la vidéo, si vous êtes là, vous nous suivez. Peut-être là dans votre salon, dans votre cuisine, là où vous vous trouvez. Levez-vous quelques instants et commencez à prier. Commencez à apporter au Seigneur quelques situations, quelques sujets. Commencez à élever votre voix. On l'a chanté. Je viens à l'autel. J'apporte tout, je déverse tout à l'autel. Parce que la parole de Jésus, c'est que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et il prendra soin de toi. Alléluia. Et ce matin, Jésus veut prendre soin de toi, mon frère, ma sœur. Alors commence à prier pour peut-être ta vie personnelle, pour un sujet particulier. Et aussi, prends un moment pour prier. Aussi pour le ton voisin, le frère, le sœur, la sœur qui est à côté de toi, qui est là et qui peut-être attend aussi un compagnon dans la prière. Une aide, un soutien. Commencez à étendre vos mains tout simplement vers les bien-aimés. Est-ce que je peux entendre une église qui prie ce matin? Est-ce que je peux entendre une église qui sait prier? Est-ce que je peux entendre une église qui sait intercéder? Une église qui sait crier à Dieu? Une église qui va dire: Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Sans toi, on ne peut pas continuer ce chemin. Parfois, il est tellement compliqué, il est tellement douloureux. Nous avons besoin, Seigneur, de ton œuvre. Nous avons besoin que tu manifestes encore ta puissance et ton action dans notre vie. Prenons quelques instants, frères et sœurs. Prions, prions, élevons notre voix. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Shabarakaba sodolo. Visite nos frères et sœurs, visite les bien-aimés. Visite ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui sont affaiblis. Nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, dans les EHPAD, Seigneur, qui sont là seuls, où les visites sont limitées, Seigneur, manifeste ta grâce, va les visiter. Ceux qui sont dans les combats, ceux qui sont dans les conflits, ceux qui sont dans toutes sortes de problématiques, de difficultés, qui ont besoin de libération, de délivrance, de restauration dans leur vie, touche-les, visite-les, Seigneur, alléluia. Oh Dieu de grâce, bénis tes bien-aimés dans ce lieu. Bénis tes bien-aimés qui nous suivent en vidéo. Nous savons, Seigneur, que le numérique n'a aucune limite. Tu réponds à la foi ce matin. Tu bénis par la foi. Alléluia. Oh Dieu de grâce, tu es vivant. Alléluia. Prions, prions, prions. Élevons notre voix. Laisse ton cœur se répandre devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Soyons dans la prière collective, dans l'intercession collective. Tu es vivant. Alléluia. 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 Prions, prions, prions. Oh, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Priez pour ceux qui sont autour de vous. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine. Priez, répandez la bénédiction sur leur vie. Alléluia. Dans la louange, pareil. Priez les uns pour les autres. Prenez un moment. Alléluia.
Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Mettez Dieu à l'épreuve ce matin. Alléluia. Oh, réclamez-lui ce que vous avez besoin de lui demander pour qu'il vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Prenons un moment également pour prier ensemble pour notre pays de France. Peut-être que vous avez l'habitude de prier simplement en semaine et que le dimanche, eh bien, c'est plutôt réservé à la louange, l'adoration. C'est vrai, je conçois ça, mais nous louons, nous célébrons aussi. Mais je crois que c'est l'occasion d'être en présentiel aussi ce matin pour pouvoir intercéder. Vous avez remarqué toutes ces lois qui sont votées actuellement, toutes ces choses qui sont en train de passer. Prions pour notre société. Prions pour notre gouvernement. Parce que les lois qui sont votées aujourd'hui, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont les subir si Jésus ne revient pas tout de suite. Alors prions pour que Dieu puisse donner de la raison. Prions pour que Dieu puisse donner de l'intelligence. Prions pour que Dieu puisse réveiller les consciences, les esprits au nom de Jésus. Afin que les choix, les décisions qui sont prises soient des choix et des décisions conformes à la sainte parole morale. Des choses qui sont concrètes, qui sont juste respectables au nom de Jésus. Élevons notre voix pendant quelques instants pour notre pays de France. Apportons ceux qui nous dirigent, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Bénissons-les, prions pour eux, demandons que vraiment leur cœur puisse être touché. Paul nous exhorte à prier pour nos autorités, à les apporter à la grâce de Dieu. Ils ont en tout autant besoin que chacun d'entre nous. Alors prions au nom de Jésus pour les sénateurs, pour les députés, pour l'exécutif aujourd'hui, tous ceux qui doivent faire des choix, prendre des décisions, quelles qu'elles soient, que l'Esprit de Dieu, qui n'a aucune limite, puisse rentrer dans ces bureaux, influencer les cœurs, toucher les raisonnements, dans le nom de Jésus. Élevons notre voix pendant quelques instants, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, oui. Nous réclamons ta grâce. Notre pays est en souffrance. Notre pays est en train de se perdre dans toutes sortes de situations, de circonstances. Nous apportons tous les sujets brûlants, Seigneur, qui sont discutés en ce moment. Nous réclamons vraiment ta grâce pour qu'il y ait une intervention de ta part. Seigneur, que les frères et sœurs qui sont en contact avec ce gouvernement, avec nos sénateurs, avec les députés, avec les cabinets, qui réfléchissent sur toutes ces décisions, que ceux qui sont croyants puissent aussi bénir, influencer dans les bonnes directions des choix moraux, des choix selon ta parole. Seigneur, touche les cœurs dans le nom de Jésus. Inverse des situations qui nous semblent inextricables, impossibles à changer. Tu vois les puissances, les lobbies, l'ennemi qui essaye de faire son œuvre d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, nous sommes là pour intercéder, pour prier, pour réclamer ta grâce, pour que le peuple soit en paix. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, nous réclamons vraiment ton onction. Visite notre pays par ton esprit. Visite notre pays par ton esprit. Oh, les raisonnements intellectuels. Seigneur, dans le nom de Jésus, viens glorifier, Seigneur. Amen. Encore ensemble, prions pour notre pays de France. Alléluia. Prions pour les autorités, pour les maires de nos villes, pour les préfets, tous ceux qui ont droit de décision actuellement. Prions. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Merci Jésus. Jésus. Alléluia.
que tu n'as plus d'espoir par rapport à l'avenir. Peut-être tu es fatigué par ton travail et les études. Peut-être c'est le chaos à la maison. Tu te sens débordé. Peut-être tu te dis, tu es inexpérimenté. Tu n'as pas d'expérience pour servir le Seigneur, pour faire avancer son royaume. Tu veux le servir, mais tu te sens limité. Peut-être tu te poses encore plein de questions, plein de doutes, plein de peurs. Mais je veux te rappeler tout simplement, comme le dit ce chant qui va suivre, Dieu est dans ta barque, il est là avec toi. Et il désire s'approcher davantage de toi, plus que toi-même. Alors, dans cette barque, il est là, depuis le début d'ailleurs. Dans les bons et les mauvais jours, il est dans la barque et il te conduit dans le bon chemin. Alors chante avec nous ce chant. Je te délivrerai.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble ? Il n'a pas dit qu'il nous abandonnerait, mais il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Et il nous délivrera. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit toute la gloire encore ce matin pour son action merveilleuse et son action puissante dans nos vies. Soyez les bienvenus à ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, que nous n'avons pas pu saluer au début de ce culte. J'aimerais simplement vous rappeler et vous remercier, vous qui avez compris qu'il fallait donc s'inscrire régulièrement pour ces cultes, afin de pouvoir participer en présentiel. Vous qui êtes inscrits, n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de vous désinscrire. Si vous ne venez pas, je m'adresse, alors vous allez dire, mais peut-être pas à ceux qui sont là, mais c'est peut-être pour une prochaine fois, ou ceux qui sont à la vidéo. Certains parfois s'inscrivent et puis au dernier moment ne viennent pas, ou dans la semaine ils le savent, ils suivent ensuite par vidéo, mais finalement, ça empêche certaines personnes à pouvoir s'inscrire pour venir le dimanche ici. Alors merci. Si vous vous êtes inscrit ou inscrite et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir venir, même au dernier moment, prévenez. Vous avez trois numéros de téléphone pour Fagnières et Pernay et pour Reims, bien entendu. Vous avez un contact administratif, c'est Charlène. Vous voulez lui envoyer un message et comme ça, ça permet de mettre régulièrement la liste à jour et ça permet à ceux qui voudraient venir de pouvoir aussi assister au culte. Nous sommes en train de... au fur et à mesure des semaines, nous nous habituons et nous essayons de nous améliorer pour vous rendre un service de qualité. Est-ce que vous l'avez remarqué un petit peu ? Aussi bien par la vidéo, aussi bien qu'ici. Alors bien sûr, il y a des petits manquements encore, mais par exemple, on aimerait vraiment pouvoir réserver la salle ici de culte en bas aux personnes les plus âgées. Alors, ce n'est pas forcément le premier arrivé, premier servi, mais je sais que certaines personnes n'arrivent pas toujours en avance. On ne va pas garder non plus des places jusqu'à 10h10, 10h15. Pensez à venir un petit peu en avance. Mais j'aimerais inviter les plus jeunes, s'il vous plaît. Je sais que c'est peut-être moins agréable d'être au balcon, quoi qu'on vous bénisse, vous tous qui êtes au balcon là-haut. Alléluia. Vous êtes plus près du Seigneur, vous savez ça ? Vous êtes plus près du ciel, alléluia. Quand l'onction descend, c'est vous qui êtes bénis en premier. Et nous après, du coup, voilà. Peut-être ça va donner envie à certains de monter maintenant. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a parfois des personnes âgées qui arrivent un petit peu à la limite au niveau de l'horaire où la salle est déjà pleine en bas. On est obligé de limiter à une centaine de personnes si on veut respecter toutes les normes sanitaires qui nous sont imposées aujourd'hui. Donc j'aimerais vous inviter, même si vous arrivez à 10h-10, 10h-15, qu'il y a de la place en bas et le service d'accueil, j'aimerais vous sensibiliser également à ça. Je sais que tous ne sont pas forcément, pas forcément toujours ce désir de vouloir monter à l'étage, mais s'il vous plaît, si vous êtes plus jeune, essayez de le faire afin que nous puissions garder des places à ceux qui sont handicapés, à ceux qui sont plus âgés et qui, pour eux, c'est compliqué, vous le comprenez, de pouvoir monter au premier étage pour cela. Mais comme vous êtes remplis d'amour et de compassion, dès dimanche prochain, il n'y aura aucun problème. Ils seront tous en haut. Je ne sais pas si ceux qu'on dit « Amen », c'est les plus âgés, c'est les seniors ou si c'est les jeunes. Mais voilà. Non, merci de votre compréhension pour cela. Je rappelle également que les enfants ne doivent pas être tout seuls au balcon et même en bas ici, ils sont sous votre responsabilité. Comme je vous l'ai dit, on est en train de réfléchir pour réaménager les deux salles d'entrée au rez-de-chaussée afin d'avoir une salle avec une porte d'entrée, une porte de sortie en rez-de-chaussée pour pouvoir reprendre les cultes pour enfants en présentiel. Normalement, dans les semaines qui viennent, des mini-travaux seront engagés pour cela. Il n'y a pas grand-chose à faire et ça nous permettra aussi de continuer à reprendre de nouveau, faire venir les parents aussi qui gardaient les enfants à la maison. On sait que ce n'est pas toujours évident, facile pour vous, mais que le Seigneur vous aide et vous bénisse. On essaye en tout cas de pouvoir également mettre tout cela en place. Certains nous ont dit aussi que quand ils sont au balcon, ils n'ont pas forcément aussi le rendu de ce qui se passe dans la salle ici. Je sais que ça aussi, c'est compliqué. On a mis en place un,
un micro d'ambiance. Je ne sais pas s'il s'est mieux entendu ce matin, mais en tout cas, on va essayer de réfléchir aussi à cela pour que vous ayez, comment dirais-je, un environnement, bien entendu, qui soit agréable. Maintenant, comprenez aussi qu'on peut faire ce qu'on peut avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et l'important, c'est quand même qu'on puisse être en présentiel. Voilà. Je peux vous dire encore une dernière petite chose ? Si vous avez quelque chose à quelqu'un à dire, que ce soit au service d'accueil, que ce soit un responsable, quel qu'il soit, est-ce que vous pouvez le faire dans l'amour ? Voilà. Hein ? On n'est pas obligé de râler, on n'est pas obligé... Des fois, il y a des choses... Il y a du mécontentement, il y a... Mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de compassion, de grâce et d'amour dans l'Église ? Voilà, si on peut en avoir un peu plus ici, on pourra peut-être en avoir un peu plus ensuite dehors. En tout cas, voilà, merci de votre compréhension pour tout cela. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu maintenant. Concernant les annonces, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est... Si, j'allais oublier. La technique, vous êtes prêts ? Très prochainement, nous aurons un culte pour la découverte de l'Évangile. Amen. Et donc, ça sera le 4 avril, où nous aurons un événement commun à Reims, à Épernay et à Fagnières. Il y aura cet événement. L'objectif, c'est de pouvoir présenter la puissance de l'Évangile et le nom de Jésus qui sauve. Un dimanche spécialement réservé pour les personnes nouvelles. Donc là, c'est la même chose, je le répète encore une fois, inscrivez-vous en priorité dès le lundi si vous venez avec une personne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Ne dites pas, moi ça fait 50 ans que je viens ici, je m'inscris quand même parce que j'ai envie de venir écouter du gospel. On n'a pas prévu d'organiser un spectacle pour divertir les croyants. On a prévu d'organiser une matinée pour que la puissance de Dieu se manifeste et que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile puissent découvrir l'Évangile et retrouver en Jésus-Christ leur sauveur personnel. Amen. Donc en priorité, inscrivez-vous, communiquez, invitez vos familles, vos enfants, petits-enfants, vos amis. Venez avec une personne nouvelle. Vous les inscrivez comme vous le faites habituellement par Internet. Et comme je l'ai dit, le vendredi et le samedi, vendredi soir et samedi, si vous ne vous êtes pas inscrit parce que vous n'aviez pas de personne nouvelle à amener et que vendredi soir ou samedi, vous voyez qu'il y a encore de la place sur le site Internet, eh bien, inscrivez-vous et vous pourrez venir pour le dimanche. Mais nous essayons de donner la priorité à ceux qui ne connaissent pas la parole. Vous comprenez ça ? Ça va ? On est OK ? Voilà. On aura tout un programme avec une partie de chant gospel, un message de l'Évangile, un temps d'appel, de prière. L'objectif, c'est tout simplement que Dieu puisse se glorifier au travers de ces moments. Je vous invite, dès chez vous déjà, à prier pour cela et à jeûner également pour ces temps spirituels que nous allons avoir afin que Dieu puisse se manifester. Très prochainement, comme je vous l'ai dit, nous allons mettre l'Église une journée par semaine à disposition pour, comme une chapelle de prière, un temps d'intercession où chacun aura la liberté de venir. Ce ne sera pas une journée complète, mais dans un premier temps, on va essayer d'ouvrir de 10h à 14h. Nous pensons mettre en place le jour du mardi, qui, si nous regardons comme le mardi soir, nous sommes là également pour le live, ça permettra de chauffer la salle une seule journée et de ne pas forcément utiliser le chauffage, vu que c'est des périodes froides en ce moment, à d'autres jours de la semaine. Mais le mardi, 10h, 14h, comme une chapelle ardente, un lieu où il y aura une atmosphère spirituelle de prière. Si ça marche et si vous êtes là, fidèle au rendez-vous et que cela bien vous accorde vraiment du bienfait, que vous êtes là pour prendre du temps pour prier, eh bien, nous étendrons après, plus tard, les horaires, si cela peut vous correspondre. Mais dans un premier temps, nous allons faire cela. Nous cherchons une ou deux personnes
qui pourraient les mardis venir nous aider à ouvrir, fermer la salle, si toutefois le pasteur David ou moi-même, nous n'étions pas là ou pris pour d'autres rendez-vous. Alors, si vous avez envie de vous impliquer aussi dans ce service, eh bien, simplement pour ouvrir, fermer, mettre en route les lumières, la sono. Et puis, nous allons mettre des pôles de prière un peu partout, par thème. Le but, ce n'est pas simplement que quelqu'un vienne vous dire quoi faire dans la prière. Ça sera un moment, comment dirais-je, individuel, où chacun, dans la présence de Dieu, eh bien, vous pourrez, en fonction des différents pôles de prière qu'il y aura ici ou là, prendre un moment, prendre un temps pour intercéder en fonction des sujets particuliers et aussi, bien entendu, en fonction des sujets de société. Je crois qu'il est urgent vraiment que nous puissions continuer encore d'accentuer sur la prière l'intercession et de pouvoir nous retrouver ensemble. Alors, comme je l'ai dit, ne soyez absolument pas culpabilisés. Si vous avez le mardi 5 minutes, eh ben vous venez 5 minutes. Si vous avez une heure, venez une heure. Si vous pouvez être là de 10h à midi ou de midi à 14h, et vous envoyez, ben, venez en fonction de votre disponibilité. Amen. Voilà. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, on est dans la liberté de Christ et on est là tout simplement pour intercéder ensemble, parce que je crois qu'aujourd'hui, avec tous les sujets éthiques, bioéthiques qui sont traités actuellement, tout ce que vous entendez un petit peu sur non simplement les réseaux sociaux, mais également aux informations, il est vraiment urgent que le peuple de Dieu se réveille. Vous savez, on est un peu comme Esther, hein. Dans cette même situation, on a besoin de mettre en place aujourd'hui des temps de jeûne et de prière, des temps d'intercession, des temps où le peuple de Dieu doit se rassembler autour de l'intercession pour notre pays. Vous savez que nous avons la sentinelle de prière, on a plus de 800 intercesseurs chaque semaine. Si vous avez envie de vous rajouter à la sentinelle de prière pour recevoir justement nos bulletins d'information toutes les semaines, vous pouvez aussi vous abonner, vous inscrire pour cela, parce qu'il est vraiment urgent de continuer à faire bloc dans l'intercession afin de pouvoir eh bien, contrer l'œuvre de l'ennemi. Jusqu'au retour du Seigneur, la Bible nous dit de prier, d'intercéder, et c'est ce que nous voulons faire tout simplement. Amen. Très prochainement, nous allons pouvoir reprendre, si vous le souhaitez, la Sainte Cène aussi ensemble. Nous avons préparé avec quelques-uns un kit de Sainte Cène où vous pourrez préparer chez vous le pain, le vin ou le jus de raisin. Nous avons préparé deux modèles, un modèle pour les personnes seules avec un petit pot pour le pain et une petite bouteille pour le liquide et un pochon qui permet de mettre tout à l'intérieur. Et puis, nous avons préparé également un modèle pour les couples où à l'intérieur, il y a deux bouteilles et deux petits pots pour le pain, etc. Le modèle solo est à 6€ et le modèle couple est à 7,50€. Nous devrions recevoir les articles normalement cette semaine. Ça devrait être prêt, pas pour dimanche prochain. Peut-être que oui, mais ce n'est pas sûr. Ça dépend de nos livraisons et certainement pour le dimanche d'après. Donc, nous aurons l'occasion de mettre ces produits à votre disposition. Ça vous permet de préparer chez vous la Sainte Cène et de venir. Et le dimanche, nous reprendrons ces temps de communion. Alors, peut-être pas tous les dimanches, mais peut-être une fois par mois ou tous les 15 jours. On verra comment, afin peut-être de ne pas retomber dans une routine. Hein ? Vous avez vu de quoi on est passé ? On est passé de tous les dimanches où certains, finalement, prenaient le pain, le vin par habitude, par tradition, par et puis du coup, plus rien. Et peut-être c'est bien de retrouver un équilibre finalement et de retrouver l'importance de la communion, l'importance de la Sainte Cène, l'importance de pouvoir, alors pas remettre Christ au centre de nos rencontres parce que je pense que Christ y est toujours, mais la communion entre nous, amen. La communion de pouvoir prendre ce pain, ce vin qui nous annonce régulièrement, non simplement la crucifixion, mais aussi la résurrection et bientôt le retour de Jésus. Alléluia, c'est pour ça que nous sommes là, ensemble. Donc nous allons commander ces choses et vous les mettre à disposition très prochainement. Voilà, nous prions ensemble et nous demandons à Dieu sa grâce et nous ouvrons la parole du Seigneur. Pasteur Michel, est-ce que tu veux peut-être prier, s'il te plaît ? Notre Père et notre Dieu, on va te dire merci pour cette première partie où nos cœurs se sont répandus devant toi pour te célébrer, pour te louer.
parce que tu es notre Dieu tout-puissant. Mmh. Et nous savons que nos prières, nos louanges, nos adorations touchent ton cœur. Merci pour ces annonces que ton serviteur a fait, que nous prions pour cela, afin que nos cœurs soient vraiment motivés pour soutenir non seulement ce projet-là, mais être là aussi, Seigneur. En tout cas, nous croyons que des temps de bénédiction sont là déjà, et nous voulons vraiment être ouvriers avec toi dans l'œuvre. Merci de bénir ta parole maintenant qui sera apportée par ton serviteur. Fais-nous du bien, Seigneur. Renseigne-nous, Père, sur notre prière par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Lorsque nous avons commencé notre étude sur comment découvrir et activer nos dons naturels et spirituels, en introduction, je vous disais dans les premières parties qu'il y avait une notion indispensable qu'il fallait que nous puissions aborder, qui se trouve justement dans la raison de la pratique des dons naturels que nous avons reçus, mais également des dons spirituels que Dieu veut nous accorder. Et ce matin, ça sera la toute dernière partie de cette longue série. Je crois qu'il y a finalement 14 vidéos qui ont été faites sur ce thème-là. Je vous invite à les reprendre également et à bien comprendre. L'idée, c'était de pouvoir vraiment rentrer au fond de la compréhension de comment Dieu qualifie aujourd'hui son Église, qualifie des hommes et des femmes, aussi bien sur le plan naturel que spirituel. Mais même, enfin, personnellement, le fait d'avoir continué à réétudier ce thème pendant toutes ces semaines m'a amené encore à mettre le point sur ce dernier volet, cette conclusion, comprendre la relation qu'il y a entre l'enseignement que je vous ai apporté ces dernières semaines et la notion de l'amour. Parce qu'en réalité, nous ne pourrons pas vivre pleinement et apporter, manifester les dons naturels comme les dons spirituels si nous ne les manifestons pas dans l'amour tel que la parole de Dieu nous enseigne. Et je me suis même rendu compte qu'au travers des différents passages bibliques que nous allons voir ce matin, que si nous n'avons pas l'amour tel que Dieu nous le demande d'avoir, cet amour particulier que nous trouvons dans sa parole, la réalité, c'est que alors nous ne pourrons pas manifester la vie de l'Esprit. Et si nous manifestons une certaine vie de l'Esprit, ça ne sera pas une vie de l'Esprit, ça sera une vie humaine. C'est-à-dire des pensées humaines, des propos humains. Cet élément est souvent oublié, mais il est en rapport direct avec la pratique de la vie de l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 31, nous dit, c'est Paul qui nous enseigne, « Aspirez aux dons les meilleurs ». On aurait pu s'arrêter là et dire, ça c'est formidable, c'est déjà une bonne chose, et nous on va aspirer à des dons, alors on va choisir. On a déjà vu un petit peu cela ensemble. Mais tout de suite après, il continue et il dit, « Mais je vais vous montrer une voie par excellence. » Est-ce que vous avez envie de découvrir cette voie ce matin? Est-ce que vous avez le désir d'aller un peu plus loin et de découvrir cette voie d'excellence dont l'apôtre Paul nous parle? Si on va un petit peu plus loin, au chapitre 13 et au verset 1er, il va dire ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, dans certaines versions, alors je suis comme du bronze, une version d'autres versions disent une cymbale qui résonne, une cymbale qui retentit. » En gros, je ne suis pas grand-chose. Je suis juste un écho. Vous avez remarqué que la Bible, quand elle parle des dons, quand elle parle du ministère, quand elle parle du service, elle ne nous enseigne pas à être des échos. Elle nous enseigne à être la voix. Hello ? Réfléchissez sur ça un instant. Méditez là-dessus. Nous ne sommes pas appelés à être un écho. Nous sommes appelés à être la voix. La voix de Dieu. Amen. La Bible nous enseigne clairement que lorsque dans l'Église, il y a une baisse de la manifestation de l'amour fraternel,
une baisse de l'amour relationnel, alors il y a forcément une baisse des dons, et des dons naturels et des dons spirituels authentiques. Alors cela ne veut pas dire que plus personne ne parlera, que plus personne ne fera rien dans l'Église, peut-être voire même pour simuler parfois de pseudo-dons spirituels, comme le disait le pasteur David ce dernier mardi. Mais si vous avez un peu de discernement justement spirituel, vous remarquerez que très vite ces personnes raconteront très souvent la même chose, reviendront sur les mêmes propos. Et finalement, ces propos, au bout d'un moment, ne seront absolument plus édifiants. Par contre, j'ai remarqué que la Bible nous enseigne que plus il y a la manifestation de l'amour mutuel dans l'Église, et plus il y a la manifestation des dons naturels et des dons spirituels véritables qui viennent du cœur de Dieu. La vie de l'Esprit ne peut pas se manifester sans qu'il y ait la présence d'un amour sincère, d'un amour honnête entre les croyants, démuni de tout propos ou pensée critique. Par conséquent, si dans l'Église, finalement, il y a encore des conflits non réglés entre chrétiens, s'il y a encore des manques de pardon entre les uns et les autres, des intérêts personnels qui essaient encore de se faire valoir, si finalement, dans ces derniers jours, par exemple, notre attitude avec nos proches, avec notre famille, avec nos amis, avec notre épouse ou notre époux, notre attitude a été déplacée, a engendré finalement dans nos relations, même sociales ou professionnelles, eh bien des comportements ou des attitudes qui ne sont pas dignes de l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous imaginer que le dimanche matin, nous allons apporter des dons spirituels. Pour moi, il y a totalement une incohérence. Il y a peu de chances que nous pourrions apporter un don qui vient vraiment du cœur de Dieu si tout le reste de la semaine, on n'a pas été clean avec lui. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand les croyants disent qu'il n'y a plus d'onction, qu'il n'y a plus de miracle, qu'il n'y a plus de manifestation des charismes dans l'Église aujourd'hui, etc., en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a cessé d'agir? Que Dieu a cessé de se manifester? Non. Ce que ça veut dire, c'est que ceux qui devraient, parce qu'ils ont reçu, professer la vie de l'Esprit, dans un esprit justement de compassion, dans un esprit de miséricorde, dans un esprit de grâce, parce qu'ils n'ont plus l'amour nécessaire pour être utilisés par Dieu pour le faire, eh bien, ils ne bénissent plus l'Église au travers de ce que Dieu leur a confié. Et parfois, lorsqu'ils le font, c'est essentiellement par eux-mêmes ou par habitude, mais souvent plus par inspiration divine. Et nous savons que l'ennemi connaît très bien cela. Et il connaît très bien la relation qu'il y a entre les dons naturels, la vie de l'esprit et l'amour. Ce n'est pas pour rien que le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, est mis entre deux chapitres d'enseignement sur la vie de l'esprit. Ce n'est pas le fait du hasard. Dieu l'a voulu ainsi pour nous montrer que la vie de l'esprit sent au centre l'amour. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 13. Hein ? Et dans le chapitre 14, tous les enseignements de l'apôtre Paul, quand il dit on parle en langue, machin, etc. C'est pas pour rien que ce chapitre est en plein centre. Le diable connaît très bien cela, parce qu'il sait que lorsqu'il sape l'amour, qu'il est capable d'entacher par des ragots, par de la médisance, par du mensonge, de la critique, par des attitudes cachées, par des complots, par de la jalousie, par de l'envie, par tout ce que vous voulez. Bref, tout l'arsenal bien connu de l'ennemi de notre âme qui sait parfaitement utiliser ces choses pour diviser les croyants dans le but d'atteindre l'Église. Rappelons-nous, frères et sœurs, qu'il est écrit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais le diable cherchera toujours une oreille attentive, un cœur irrité, un cœur frustré, non satisfait, un caractère non maîtrisé, pour, excusez-moi l'expression, déverser ses ordures
afin de nous salir et au travers de nous, c'est-à-dire le corps de Christ, salir l'Église en général. Il est temps que nous puissions comprendre les tactiques de l'ennemi et de mettre fin à tout cela, d'y mettre un point final, un terme. Et pour cela, eh bien, nous devons fermer nos oreilles à la calomnie et à les ouvrir à la vie de l'Esprit, parce que je pense que ce serait tellement plus profitable, d'abord pour notre vie personnelle, et puis pour l'Église en général. Comprenez bien. Là, je parle de calomnie. Vous savez ce que c'est que la calomnie ? La calomnie, c'est colporter des choses erronées afin d'atteindre une personne. Alors, vous allez me dire, oui, mais parfois, ce n'est pas erroné. Il y a des choses vraies. Vous avez raison. Il peut y avoir parfois des choses graves. Mais pourquoi, alors, à ce moment-là, nous n'appliquons pas la parole de Dieu ? Si vous avez quelque chose de vrai à révéler, alors ne prenons pas la mentalité de ce monde qui pratique deux termes que vous connaissez très bien, la médisance ou la diffamation. C'est quoi la différence de la calomnie ? Eh bien, pratiquer la médisance ou la diffamation, c'est utiliser des informations qui sont vraies pour porter atteinte à une personne afin justement de la discréditer, de la salir, voire de la souiller, au lieu de lui donner l'occasion de la sauver. Qu'est-ce que l'Évangile nous enseigne dans ce domaine ? L'Évangile nous enseigne, si nous sommes dans des cas comme celui-ci, c'est très clair, d'appliquer les principes bibliques. Que dit la Bible ? La Bible, elle dit, si tu as la preuve que ton frère ou ta sœur a péché, qu'il est dans une défaillance, qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus, je dirais, au message de l'Évangile, à la pratique de l'Évangile. La Bible nous dit, va et reprends-le entre toi et lui seul, ou elle seule. Elle ne dit pas de colporter des informations. Elle ne dit pas d'envoyer des SMS à ton copain ou à tes copines. Elle ne dit pas de commencer à en parler à tout le monde. Elle dit, si tu es au courant de quelque chose, ton objectif en tant que croyant, c'est d'essayer d'aller régler le problème avec la personne en question. Elle ne dit pas non plus d'aller tout de suite prévenir le pasteur. Il y a des gens qui sont spécialisés aujourd'hui, dès qu'ils voient quelque chose ou qu'ils entendent quelque chose, ils vont voir un pasteur et en fin de compte, ils leur attachent les mains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ils viennent révéler quelque chose parce qu'ils ont une information. Moi, souvent, j'ai eu l'occasion de dire, mon frère, ma sœur, si vous êtes au courant de la chose, c'est bien. Si vous avez vraiment des preuves, allons voir ensemble cette personne-là pour voir où en est la situation. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et là, très souvent, vous avez des chrétiens qui disent, non, mais moi, je veux pas de problème. Non, débrouillez-vous, pasteur. Alors, j'aimerais juste vous dire qu'un pasteur, c'est pas un gendarme. Et un pasteur, ce n'est pas un juge. Parce que du juge, il y en a déjà un, il s'appelle l'Éternel. Lui, c'est le juste juge. Un pasteur, ce n'est pas un avocat non plus, qui vient défendre un dossier. Parce qu'un avocat, on en a déjà un, c'est Jésus-Christ. Et un pasteur, ce n'est pas un accusateur. Parce que dans la Bible, l'accusateur, il existe déjà. C'est Satan. Alors vous allez me dire, à quoi tu sers ? C'est le deuxième mouvement, c'est le deuxième point. Si la personne ne t'écoute pas, la Bible nous dit, préviens un responsable de l'Église, c'est-à-dire un pasteur, et faites ensemble cette visite pour que justement il ou elle puisse s'expliquer et le cas échéant lui permette de régler son problème. Et comme vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre et que vous avez toutes ces qualités de discrétion, s'il y a vraiment quelque chose qui se règle parce que c'était réel, ça va rester dans ce tout petit groupe et l'affaire sera réglée, terminée et l'Église continuera à être en paix. Le Seigneur nous enseigne davantage. Il nous dit, si finalement cette personne n'écoute pas
ces deux ou trois frères ou sœurs qui sont venus le rencontrer, ou ce pasteur plutôt avec cette personne, s'il n'écoute pas, alors prends deux ou trois autres frères et sœurs fidèles dans la confidence, afin justement de prier et de rencontrer à nouveau cette personne pour lui redonner une chance. Et c'est simplement qu'après, la Bible nous dit, si après toutes ces démarches, cette personne ne veut toujours pas revenir à une pratique digne de l'Évangile, alors dis-le à l'Église. Est-ce que vous voyez le cheminement spirituel que Dieu nous donne ? Voyez, frères et sœurs, si nous appliquions le processus divin, on aurait moins de problèmes dans l'Église aujourd'hui. Si chacun prenait ses responsabilités, on aurait moins de problèmes dans l'Église. Si chacun d'entre nous, nous étions capables de dire dans l'amour à notre frère, à notre sœur, je parle aux jeunes, je parle aux moins jeunes, je parle aux parents, je parle à vous, les aînés, les anciens, les seniors, de prendre vos responsabilités, mais telles que la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est quoi ce processus ? Le processus de la parole de Dieu, c'est un principe spirituel de grâce et d'amour qui n'a pas pour but d'écraser ou d'humilier la personne, mais de la sauver. De la sauver afin, un, de lui permettre de se réconcilier avec Dieu si la chose est réelle, et deuxièmement, de retrouver une réelle communion fraternelle avec le corps de Christ. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne, et c'est ce que nous devons pratiquer. Malheureusement, que se passe-t-il en général, pas ici, hein, mais dans l'Église avec un grand E, quand il y a une incompréhension ou même une faute, au lieu d'appliquer ce principe spirituel, alors on discute entre copines, entre copains, on commence à partager des informations, on diffuse ce que l'on sait et que l'autre ne sait pas, diffamation. Et ça aura de toute façon comme finalité ce que vous connaissez parfaitement, des conflits nouveaux, de la rancœur, de la colère, même de l'indignation. Et bien entendu, tout cela, cette attitude favorisera la division plutôt que l'unité et la réconciliation du corps de Christ. Voyez, moi, depuis que j'essaye de servir le Seigneur, j'essaye de mettre en pratique ces principes-là. Quand je sais qu'un problème est public, alors il doit se résoudre publiquement. Mais quand une problématique est cachée et secrète et, comment dirais-je, restée simplement entre soit un petit groupe d'individus, soit une ou deux personnes, eh bien j'essaye de tout faire pour le régler avec ces une ou deux personnes ou ce petit groupe d'individus, sans que la chose puisse être ébruitée, pour que justement l'Église reste en paix. Et si chacun d'entre nous, nous comprenions ça, eh bien, je crois que c'est l'exemple que le Seigneur nous donne ici de manifester l'amour. La Bible nous dit en résumé que si nous voulons, par conséquent, plus de vie de l'esprit, eh bien, développons un plus grand amour les uns pour les autres en appliquant ces principes bibliques. C'est tout simplement la mise en pratique de 1 Corinthiens 13 et la mise en pratique du fruit de l'esprit. Alors, sur un plan pratique, comment ça se passe ? On va dire que ça se présente un petit peu de la façon suivante. Prenons directement l'enseignement que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné concernant la prière sacerdotale avec laquelle il parle justement du Saint-Esprit. C'est très intéressant parce que certains s'arrêtent simplement à la lecture de la prière, mais vous remarquerez qu'automatiquement derrière, il enchaîne avec la puissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Cette parabole, vous la connaissez ? C'est, vous savez, cette parabole de cet homme qui vient voir un ami parce qu'il rentre de voyage. Il n'a rien mangé de toute la journée, apparemment comme ici, tous les McDo, tout ça était fermé. Donc il arrive très tard. L'ami chez qui il arrive semble déjà endormi avec sa famille. Il le réveille et il y a un problème. C'est que l'ami qui le dérange, il n'a rien à lui donner à manger. Le congélateur est vide apparemment, le frigo aussi, et donc il est obligé lui-même de se lever, d'aller trouver un autre ami, de le réveiller et de lui dire « Écoute,
J'ai un ami qui arrive là de voyage, là, et il a vraiment faim, et moi, j'ai rien de prêt. J'ai même... Est-ce que tu n'aurais pas 3 pains à me prêter ? Et quand vous prenez cette histoire biblique, au verset 6, il explique que cet ami donc, n'a rien à lui offrir. Et au verset 7, il dit « Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Au verset 8, il est dit « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas, dit le Seigneur, pour les lui donner parce que son ami se lèvera à cause de son insistance, elle lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et au verset 9, regardez ce que dit le Seigneur, il enchaîne tout de suite, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car en effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Juste une précision. Quand le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit ici, il ne parle bien évidemment pas du Saint-Esprit que nous recevons à la conversion. Ici, il parle prophétiquement du Saint-Esprit que vont recevoir les disciples lorsque, enfermés dans cette pièce, les 120 à Jérusalem attendent eh bien, l'action, la Pentecôte, puissante du Saint-Esprit. C'était juste une parenthèse, je ne reviens pas dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos et dans les autres études que nous avons faites. Revenons donc au contexte de notre texte ici, sur justement cette prière et de ces 3 pains qui sont demandés. C'est une exhortation qui nous amène à avoir, comment dirais-je, sans crainte, la découverte de cette vie de l'esprit. Laissons-nous simplement nous interpeller un instant. Posons-nous les questions suivantes. Quelle est ma réelle motivation pour désirer aujourd'hui les dons de la vie de l'esprit et les pratiquer ? Qu'est-ce qui me motive véritablement à les réclamer ou à ne pas les réclamer ? Parce que la problématique, c'est souvent ça aussi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne réclament pas, comme la Bible nous l'enseigne, les dons spirituels. Et les dons spirituels, encore une fois, ce n'est pas simplement une prophétie ou un parler en langue le dimanche matin. On les a vus ensemble, on les a étudiés, il y a une richesse. Est-ce que je prie, deuxièmement, pour les recevoir afin que je serve l'Église, le royaume de Dieu, avec ce que le Seigneur lui-même va me donner de ce qu'il y a de meilleur ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, je cherche à progresser dans cette voie par excellence de l'amour qui conduit justement à la vie de l'esprit ? Vous voyez, je pense que c'est des questions auxquelles nous devons nous laisser interpeller. Il y a eu un don ce matin qui nous a parlé justement de l'amour et de toutes les carapaces qu'il peut y avoir sur notre vie qui empêchent l'amour de Dieu de se manifester. Et nous pouvons venir avec toutes sortes de masques, et pas les masques sanitaires que nous avons aujourd'hui, hein, mais le deuxième masque que vous avez derrière le masque, vous avez la bleue et toutes les couleurs. Vous savez, le masque qui cache la réalité de notre caractère, la réalité de nos émotions, la réalité de nos sentiments. Ce masque qui, tout simplement, ne nous permet pas d'être vrais, même avec le Seigneur, alors que le Seigneur connaît toutes choses. Alors qu'il voit réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Mais ce masque qui nous empêche d'être réel, transparent avec nos frères et avec nos sœurs. Regardons un instant en revenant à ce texte. La première chose que nous découvrons, c'est la relation entre Dieu et nous. La Bible nous dit que cet homme, il est placé entre 2 amis. Il est dit, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, « Prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Nous pourrions dire que l'un des amis représente Dieu lui-même. On va le développer dans quelques instants. Et l'autre représente tout simplement le monde
et sa situation morale et spirituelle actuellement. Le moment choisi pour situer le récit est le milieu de la nuit. Et ça, ce n'est pas anodin. Vous savez que quand le Seigneur nous laisse une parabole ou nous raconte une histoire, c'est vraiment pour nous amener à la réflexion. Au verset 5, il nous est dit que ce n'est pas en pleine journée, mais cette allusion à la nuit nous rappelle essentiellement les ténèbres de notre monde, la nuit spirituelle qui est en train d'envahir aujourd'hui notre société. Cela nous parle de situations de crise, ça nous parle d'apostasie, ça nous parle de la perte de la foi, ça nous parle d'un monde qui cherche à tout déchristianiser. Et on le voit véritablement aujourd'hui dans notre société. D'ailleurs, le mot « nuit » est souvent utilisé dans les évangiles, par les apôtres ou par le Seigneur lui-même. Dans Jean 9, 4, il va dire « la nuit vient où personne ne peut travailler ». Un peu plus loin, il dira dans Romains, « Vous savez en quel temps nous sommes, la nuit est avancée. » Alors, nous réalisons que nous approchons toujours un peu plus du retour du Seigneur. Mais nous ne savons pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Donc je répète ce que j'aime à dire, soyons prêts comme s'il va revenir là, à midi. Soyons prêts. Mais travaillons comme s'il doit revenir dans 1000 ans. Hello ? Ouais, vous êtes en train de dire encore 1000 ans à bosser, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on aura la retraite après 1000 ans ? C'est pas sûr. La retraite spirituelle, nous l'aurons. Alléluia ! Le Seigneur a tout prévu. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous acheter une maison ici-bas, la Bible nous dit que là-haut, il y a une demeure pour chacun d'entre vous. Alléluia ! Sans taxes foncières. Sans impôts locaux. Gloire à Dieu ! Oui, le Seigneur ne va pas nous faire venir en disant « Allez, toi, tu vas là, mais ça va te coûter tant par an. » Non, non, tout ça, ça sera fini. Nous aurons une demeure préparée par le Seigneur lui-même. Alléluia ! Ce n'est pas extraordinaire, ça ? Alors, nous nous préparons. Nous savons que le Seigneur est à la porte, il est là. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui ? C'est possible. Est-ce qu'il revient demain ? C'est aussi possible. Mais on veut être prêt comme s'il revenait maintenant. Mais on travaille à son œuvre comme s'il devait revenir dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 1000 ans, peu importe. Ce n'est pas ce qui nous importe pour l'instant. Nous, on veut continuer à faire avancer le royaume du Seigneur parce qu'il y a trop d'hommes et de femmes autour de nous qui se perdent actuellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris de ce qui se passe dans notre société et dans notre monde aujourd'hui parce que la Bible nous dit justement, vous savez, dans Matthieu 25, 6, au milieu de la nuit, le Seigneur dira, au milieu de la nuit, on criera, voici l'époux. Et cette nuit, je l'ai dit, c'est cette nuit qui représente les ténèbres sur notre monde, qui manifeste l'immoralité sous toutes ses formes, le rejet de tout ce qui appartient aux religieux, de tout ce qui appartient à Dieu, et qui se manifeste par toutes sortes de courants humanistes et autres, etc. etc. Ensuite, il y a l'homme qui arrive, la Bible nous dit, d'un voyage. Et vous savez, pour ceux qui voyagent aujourd'hui, même quand on prend l'avion, généralement, moi, avec le décalage horaire et puis la fatigue et tout ça, on est assez crevé quand même quand on arrive. Hein. Et quand vous avez l'habitude de voyager, même si vous avez cette habitude-là, bah c'est pas toujours simple. Et à l'époque, ça devait être encore plus compliqué. C'était des semaines, parfois des mois de marche avec toutes les intempéries que cela peut engendrer. Et puis également, les dangers, etc., etc. C'est un petit peu à l'image de ce voyage que nous avons, vous et moi, ici-bas sur cette terre. Savez-vous que nous ne sommes pas de passage, nous ne sommes que de passage sur cette terre, nous ne sommes pas là pour l'éternité. J'en parle de toute façon et je le rappelle de temps en temps parce que parfois j'entends certains chrétiens, j'ai l'impression quand je les écoute qu'ils se sont installés indéfiniment sur la terre. Je dis, vous savez qu'à un moment donné, on risque de partir quand même. Hein. Mais certains, ils sont là, ils sont tellement installés, ils ont tellement tout prévu pour que tout continue sur la terre, pour que... mais juste... une information comme ça. Vous savez qu'un jour, cette terre va disparaître. On parle du réchauffement climatique, on parle de tout cela, mais la réalité, c'est qu'on le sait, il y aura un moment où cette terre va disparaître. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. Hein.
j'étais chez un médecin il n'y a pas longtemps, il me regarde, il me fait « Alors, monsieur Duvieuxard, c'est l'apocalypse ?» Eh bien, j'ai dit « On va en parler, vous avez une demi-heure ? Allez !» Et on a commencé à aborder le sujet. Et je lui dis « Vous savez, ce n'est pas la fin du monde. Il va y avoir des choses graves qui vont se passer, mais ce n'est pas la fin du monde. » Parce que la Bible nous dit que la fin du monde, il y a au moins 1000 ans avant que ça arrive. Puisque le diable doit être lié pendant 1000 ans. Après quoi Jésus revient et le détruit de manière définitive. On est d'accord ? Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la peine d'être des proclamateurs apocalyptiques d'un message catastrophique. Non. Mais ce que nous savons, c'est que le retour de Jésus est pour bientôt. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des choses qui sont en préparation. Ce que nous savons, c'est que l'Église va passer par des moments difficiles. Parce que c'est par l'Église que le jugement premier va commencer à se faire. Et il y a du ménage qui se fait. Je ne sais pas si c'est amen, mais en tout cas, moi j'aimerais bien qu'il y ait moins de ménage dans le sens où les gens plutôt se repentent et reviennent à l'Église. Et reviennent, quand je dis à l'Église, c'est vraiment à Jésus-Christ. Mais l'Église y va aussi. Aujourd'hui, on a plus en plus de gens qui vivent l'Église, on ne sait pas où. C'est l'Église WhatsApp, c'est l'Église Zoom, c'est l'Église Internet, c'est l'Église... voilà, je veux plus de relations avec les frères et sœurs, ils m'ont tellement fait souffrir, ils m'ont tellement critiqué, ils m'ont tellement ceci, ils m'ont tellement cela, etc. Maintenant, je vis tout seul. Je suis désolé, ça, ce n'est pas l'Église. Alors, vous allez dire, oui, mais ça, c'est les pasteurs qui disent ça parce qu'ils veulent du monde dans leur Église. Non, ce n'est pas les pasteurs qui ont inventé l'Église. Nous, on n'y est pour rien dans cette histoire-là, hein, je vous assure. C'est Christ qui a institué l'Église. Ce n'est pas les pasteurs. Et même moi, quand il m'a dit « tu seras pasteur », j'ai dit « ouais, ouais, mais pas dans cette époque-là, dans une autre époque plus tard, quand tu seras revenu. » Parce que quand je vois comment les gens sont pénibles aujourd'hui, oh là là, on râle pour tout. Pas vous, vous êtes super gentils. Non, mais ailleurs, quand j'ai l'occasion de discuter avec plein de pasteurs à droite, à gauche, et ici dans Reims, mais également dans d'autres régions, nous, on est contents d'être à Reims parce qu'on n'a pas ces problèmes-là, hein. Mais ailleurs, ils ont des problèmes pas croyables. Les gens sont toujours mécontents, ça va jamais, tout n'est pas parfait pour eux. Ils ont des problèmes personnels, ils veulent absolument que ce soit toujours l'Église qui règle tous leurs problèmes. Des trucs qu'on voit absolument pas ici, quoi. Rigolez pas comme ça. Mais ce monde va disparaître un jour. Et pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus glorieux. Puisque la Bible nous parle d'une terre qui sera totalement refaite, où Dieu, par sa gloire, habitera au milieu de son peuple, où il n'y aura plus de souffrance. La Bible nous dit que le mal, toute forme et toute source de mal, sera éradiquée à jamais. Alléluia ! Enfin, on va retrouver l'Éden. Le paradis. Alléluia. Arrête de discuter, toi, là-haut, je te vois. Hein. Bon, ça va, t'es surpris. Le vrai paradis. L'Éden. Quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand voyage que cet homme a fait. Comme nous, c'est un voyage. Un voyage qui a ses fatigues, qui a ses risques. Et parfois... on emprunte toutes sortes de lignes droites. Parfois, on a toutes sortes de virages. Parfois, on emprunte des carrefours dangereux. Il y a des montées, il y a des descentes. Parfois, il y a même des ravins, des précipices. Malheureusement, certains y tombent. Heureusement, ils ne font que de se blesser. D'autres, malheureusement, y tombent et y meurent. Quelle tristesse. Ça fait partie du voyage qu'est le nôtre. Et à nous de réaliser que ce chemin est étroit, et que nous avons besoin vraiment que ce Seigneur nous accompagne pour aller jusqu'au bout de ce voyage. Bien sûr, dans ce voyage, comme la Bible dit ici, le voyageur, il a faim, il a soif, ce qui nous amène à notre histoire. Donc le voyageur qui a faim se rend chez son ami, et cet ami, c'est nous. Cet ami chez qui il se rend, je pense que c'est l'image de nous, les chrétiens, sur cette terre. Parfois, quand nos contemporains, vous savez, ont tout essayé de chercher des solutions à tous leurs problèmes, ben, ils se tournent, s'ils en connaissent, vers quelqu'un qui un jour leur a parlé d'un espoir.
leur a parlé d'un Christ qui était capable d'intervenir dans leur vie, qui était capable de les secourir, qui était capable de les aider. Et je pense que si ces chrétiens-là, ces amis, sont là ce jour-là, à l'écoute et disponibles, eh bien, quelque chose de glorieux pourra alors se faire. Est-ce que je peux vous dire que cette amitié n'a rien de compromettant pour le chrétien ? Je dis cela parce que je pense qu'il est bon d'avoir des amis. Avez-vous des amis ? Là-haut, vous avez des amis ? Alors, quand je dis amis, est-ce que vous avez des amis croyants ? Vous avez des amis croyants ? Est-ce que vous avez des amis non-croyants ? Ben, c'est important. Il y a quelques décennies en arrière, on nous disait quand tu te convertis, il faut plus d'amis, il faut couper toutes les relations, tous les ponts, etc., etc. Ok, mais à qui tu rends témoignage après ? À qui tu parles de l'évangile ? À ceux qui t'ont amené à Christ ? Alors je comprends la pensée de dire oui, les mauvaises relations, etc. Ça c'est une chose, il peut y avoir des mauvaises relations, il peut y avoir des mauvaises influences et nous devons nous séparer de ces mauvaises influences. Mais ne coupons pas tous les ponts avec nos amis, parce que ça c'est sectaire. Et nous ne sommes pas des gens sectaires. Nous sommes des gens qui vivons dans cette société et qui devons manifester la lumière et le sel de la terre. Et il est important que nous ayons des amis, il est important que nous ayons des relations avec des non-croyants, c'est même indispensable. Et je me réjouis lorsque Jésus lui-même, on se moquait de lui et on le critiquait parce que la Bible dit qu'il était l'ami des publicains. Il était l'ami des gens de mauvaise vie, Matthieu 11, 19 et d'autres versets. Si en tant que croyant, au nom simplement d'une sanctification souvent mal comprise, au nom d'une forme de légalisme que nous avons vu et que nous voyons encore parfois dans nos églises, voire parfois extrémistes, eh bien je me coupe de tout le monde et je me coupe de tout. Certains se sont même coupés de leur famille parce qu'ils ne s'étaient pas engagés avec Christ, parce qu'ils ne s'étaient pas convertis. Le problème de cela, c'est que si vous coupez les ponts, vous ne pourrez pas vous retrouver au bon moment, au bon endroit pour apporter le soutien et le témoignage chrétien au temps opportun lorsque Dieu vous dira « c'est le moment ». Les gens n'auront pas confiance en vous. Si vous gardez une relation de proximité, si vous gardez une relation intelligente, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous fourvoyer avec vos amis. Peut-être certains ont une vie qui est la leur, ont peut-être une mauvaise vie, etc. C'est leur problème. La Bible nous invite à rejeter la pratique, pas les gens. Les gens, nous les aimons. Les gens, nous les aimons. Quoi qu'ils pratiquent, quel que soit leur péché, nous les aimons. Parce qu'en réalité, Dieu les aime. Donc si toi, tu ne les aimes pas, c'est que tu as un vrai problème. Aimer les gens, ça ne veut pas dire approuver ce qu'ils font. On peut apprécier quelqu'un sans approuver sa vie. Pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas convertis, eh ben, on n'a pas d'autre choix que cela, non ? Ou alors vous rejetez vos enfants et vous les reniez ? Mais malheureusement, ça se fait. Ou ça s'est eu fait. Ça s'est vécu. C'est compliqué pour nous. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais c'est un exercice spirituel où justement nous sommes obligés de recevoir, comme on l'a chanté ce matin et comme on l'a entendu, l'amour de Dieu pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Et de ne pas rejeter ceux qui sont peut-être aujourd'hui dans des pratiques que nous n'apprécions pas, que nous ne valorisons pas, que nous n'approuvons pas. Mais eux, la personne, on doit les aimer. Si tu ne l'aimes pas, j'ose le dire, si tu n'aimes pas cette personne, c'est toi qui vis dans le péché. Parce que Dieu l'aime. Alors c'est tout, comment dirais-je,
l'équilibre qu'il faut avoir comme Jésus, qui se trouvait avec des publicains, qui se trouvait avec des gens de mauvaise vie, qui manifestait son amour, mais qui à aucun moment a approuvé leur vie. Mais il manifestait la grâce et l'amour. Et je crois, voyez-vous, frères et sœurs, que notre témoignage chrétien doit d'abord être celui d'une présence silencieuse. Vous savez, comme le sel qui se trouve mêlé à la terre ou mêlé aux aliments. Il y a un mélange subtil qui est fait, dont on ne se rend pas compte, sauf quand le sel n'y est plus. Ça, c'est la présence chrétienne. Et puis, dans cette histoire, il faut noter que l'arrivée de ce voyageur, je l'ai dit tout à l'heure, se fait donc au milieu de la nuit, mais le fait que ça arrive la nuit, eh bien, ça génère un fâcheux dérangement, apparemment. C'est vrai, il aurait pu quand même avoir une montre et puis arriver un peu plus en journée, tranquille, prévoir son voyage, mais non. Son ami doit le recevoir et doit le servir en pleine nuit. Et là, je ferai simplement une petite parenthèse sur justement la notion du service, voyez, et un parallèle avec le service pour Dieu. Parce que nous devons comprendre que tout service pour le Seigneur a un prix à payer. Il y a des contraintes. Oui, je sais, ce n'est pas populaire de parler de contraintes aujourd'hui. On n'aime pas avoir des contraintes. Aujourd'hui, on veut plus de stress. No stress. Plus de contraintes. Aujourd'hui, tout doit être relax, cool, tranquille. Je pense à moi, je me recentre sur moi, je vais être zen. Ou zinzin, ça dépend comment vous prononcez le truc. Mais tout service, à mon sens, comprend un pourcentage incontournable et inévitable de dérangement. Ceux qui servent aujourd'hui, je pense, le savent bien. Il faut s'organiser, il faut jongler, parfois entre nos horaires, nos rendez-vous, le travail, les enfants, les courses, etc., etc. C'est pas vrai ? La répétition de louanges, la répétition ici, les rendez-vous qu'on a, parce qu'on doit voir un tel, parce qu'on doit faire ceci, parce que, etc., etc. Il y a des contraintes. Et puis, servir dans l'Église dans une période sereine, on va dire normale, c'est une chose, comme nous l'avons vécu tous ensemble pendant ces dernières décennies, particulièrement en France. On serait dans des pays persécutés, on parlerait peut-être différemment, vous voyez. Mais en France ou en Europe, eh bien, on a pu servir dans des églises qui étaient normales, tranquilles. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, de servir en période de crise, en période de restriction, c'est encore différent. Alors, je sais que parler de ces contraintes, ce n'est pas populaire. D'ailleurs, certains ont utilisé le premier confinement pour se recentrer sur l'essentiel. Ils ont eu raison. Je pense que nous l'avons plus tous ou moins fait. Lors de ce premier confinement, eh bien, on a tous été choqués, on a tous été percutés par cet événement. Et certains, heureusement, ont pris ces moments pour se recentrer sur Dieu, se recentrer sur leur couple, se recentrer sur leur famille, etc. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup avaient aussi abandonné l'Église. Abandonner le service de Dieu pour l'Église. Ils se sont rattachés à des petits groupes Internet, WhatsApp et autres de gens qui s'autoproclamaient en disant « Allez, nous, on va faire un temps de prière, nous, on va faire ceci, nous, on va faire cela. » Et je suis tellement étonné de voir aujourd'hui, même ici à Reims, des gens qui sont attachés à des dizaines de petits groupes à droite à gauche et ne viennent plus à l'Église. Au moins, dites-le nous, qu'on puisse le savoir. Ça serait assez honnête. Mais tellement dommage. Certains sont perdus. Certains sont bouleversés. Ils sont perdus parce qu'ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues prêcher. Alors ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ? Et comme malheureusement, beaucoup n'étudient pas la Bible, ne vont pas en profondeur dans les passages théologiques et bibliques, alors ils prennent comme du petit lait ce que certains leur disent et on voit tellement aujourd'hui de déviations et d'abus. Frères et sœurs, prenez conscience de ces choses. Revenez à la parole de Dieu. N'abandonnez pas votre service pour Dieu
au travers de l'Église locale, qui vous a tant béni pendant des années. Je suis tellement étonné aujourd'hui quand j'entends des gens dire « Ah non, je quitte l'Église parce qu'il y a tellement de raisons pour quitter l'Église aujourd'hui. » J'ai dit « Mais comment vous pouvez quitter la famille de Dieu ?» C'est comme si vos enfants vous disaient « Tu sais, papa, maman, là maintenant j'en ai vraiment ras-le-bol de toi. Il n'y a pas d'amour dans cette maison, il n'y a pas assez de cornflakes à manger. » Il y a régulièrement du lait qui manque dans le frigo. Moi, je change de famille. Dimanche prochain, je vais chez les voisins. Mais c'est exactement la même chose, frères et sœurs. C'est exactement la même chose. Alors, bien entendu, les gens sont libres et font absolument ce qu'ils veulent. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui m'importe, c'est qu'au moins, ils soient quelque part où ils entendent vraiment la sainte parole de Dieu. Et qu'ils soient nourris, mais qu'ils ne soient pas, pour la plupart, des autoproclamés qui montent des petits groupes à droite, à gauche, en disant maintenant, on a entendu ça par tous les pasteurs ici à Reims, eh bien nous maintenant, on va vous prêcher autre chose. Je trouve ça tellement déplacé. Parti aux extrêmes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne veut plus trop de contraintes, hein. On ne veut plus servir Dieu avec des contraintes, on ne veut plus servir Dieu en manifestant des efforts trop importants à fournir, etc. Mais on oublie que de marcher sur le chemin de la vie, c'est un chemin qui est étroit, un chemin qui est caillouteux, un chemin où si on doit ensemble continuer à avancer pour aller jusqu'au bout, on est obligé de produire des efforts. Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la consécration, ça s'appelle la persévérance. Et est-ce que ces deux mots vous disent quelque chose encore aujourd'hui ? Consécration, persévérance. Alors pardonnez-moi peut-être de le dire comme cela, mais ceux qui tiennent ce discours aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont, je pense, donné réellement leur vie à Christ pour répondre à l'appel que Dieu faisait résonner dans leur cœur. Je ne vois pas ce genre d'attitude dans les Écritures. Lorsque je considère les exemples que Dieu nous laisse, en commençant par son Fils lui-même. Oui, Jésus, l'exemple par excellence. Regardez la vie du Seigneur. Lui, le Fils de Dieu, lui qui est venu alors qu'il avait toute la gloire, il a décidé de quitter la gloire pour venir petit enfant, sans force, sans puissance, sans protection. Simplement mis entre les mains d'une gamine. Parce que Marie, elle n'avait pas 30 ou 40 ans quand elle l'a eu. C'était vraiment une jeune fille, une jeune femme. Et d'un Joseph. Mais Dieu a placé son fils au sein de ce couple. Frères et sœurs, n'était-ce pas des contraintes pour Jésus, par exemple, lorsqu'il devait passer des nuits à prier sur une montagne au lieu de dormir ? Est-ce que ce n'était pas des contraintes lorsqu'il fallait qu'il réponde aux besoins de la foule, des malades, des possédés, des souffrants, nourrir les gens, etc., alors qu'il aurait peut-être pu faire mille et autres choses ? Est-ce que ce n'était pas des contraintes lorsqu'il devait contrecarrer les propos erronés et blasphématoires des hommes religieux de l'époque ? Au lieu tout simplement peut-être de profiter de ses amis ou des gens qui étaient autour de lui ? N'était-ce pas des contraintes lorsqu'il passa par la condamnation injuste des hommes ? Tous ceux qui lui ont craché dessus, qui ont arraché sa barbe, qui l'ont fouetté, qui ont déposé cette couronne d'épines sur sa tête. Ses propres disciples qui l'ont abandonné et qui l'ont laissé être crucifié. Est-ce que ce n'était pas une petite contrainte qu'il a souffert ? N'était-ce pas des contraintes lorsque l'apôtre Paul va dire, par exemple, aux Corinthiens qui sont en train de rejeter son ministère, alors qu'il y a un travail incroyable qui s'est passé, vous savez que l'église de Corinthe était une église où tous les dons se manifestaient avec puissance, malgré l'ignominie qu'il y avait dans cette église, par certains. Et Paul, dans sa deuxième lettre au chapitre 6, va dire
en rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance. La persévérance qui définit c'est quoi ? Dans quel domaine ? Le combat spirituel ? Chasser des démons ? Libérer des personnes ? Proclamer la guérison ? Non, non. Paul ne va pas parler de tout ça. On aurait pu dire que ça aurait été légitime, c'était dans son service, c'était dans son ministère, mais pas du tout. Regardez dans quelle persévérance il a dû vaincre de petites contraintes. Dans la souffrance, dans la détresse, dans les angoisses, sous les coups, en prison, au travers d'émeutes, obligé à des travaux pénibles, des privations de sommeil, des privations de nourriture, etc., etc. Vous croyez, frères et sœurs, que si on apportait cet évangile-là, l'Église se remplirait aujourd'hui ? Venez à Jésus et vous allez traverser toutes ces choses. Mais voyez le chant que notre sœur a pris tout à l'heure ? Je crois que c'est le dernier chant. Dans toutes ces choses, la Bible ne dit jamais qu'on va y rester. On est appelé à les traverser. Et l'espérance extraordinaire que nous avons, c'est que si nous n'arrivons pas à les traverser ici-bas, sur cette terre, nous avons cette espérance qu'après la mort, nous les traverserons parce que nous arriverons à bon port, là où le Seigneur lui-même nous attend. Alléluia. Et ça, c'est un espoir, c'est une espérance que seuls les croyants ont. Regardez au verset 6, il dit « Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par son amour sincère et par la parole de vérité, la parole puissante de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Alléluia. Oh, regardez comment l'apôtre Paul finit ce passage. À cause des Corinthiens encore qui rejetaient un certain nombre d'apôtres et de ministères. Regardez ce qu'il dit. Au verset 11, il va dire « Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. C'est votre cœur qui s'est rétréci. » Rendez-nous l'appareil. Je vous parle, dit l'apôtre Paul, comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Je demande à la louange de bien vouloir se préparer, s'il vous plaît. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Paul dit, c'est votre cœur qui s'est rétréci. C'est-à-dire, notre amour qui s'est peut-être dissipé. Est-ce qu'on peut se poser la question ce matin ? Est-ce que ton amour s'est dissipé ? Est-ce que notre compassion a diminué ? La compassion pour des frères et sœurs, mais la compassion aussi pour l'extérieur. Est-ce que notre charité s'est étiolée ? Est-ce que notre serviabilité fraternelle a disparu ? Frères et sœurs, c'est la manifestation de notre miséricorde pour ce monde qui se meurt, qui ne se pratique plus comme Dieu voudrait qu'elle se pratique. Je vous ai dit que nous nous verrons prochainement pour avoir un temps de partage et de discussion ensemble. Nous sommes en train de programmer tout cela. Ça va avec ces moments d'ouverture d'église, à la prière, etc., que nous sommes en train de mettre en place. Mais il est important de réfléchir à ce que nous, MCE, ici à Reims, à Épernay et à Fagnières, nous voulons mettre en place pour pouvoir toucher cette génération, nous, touchés par cette crise sanitaire aujourd'hui.
Je ne peux pas me contenter que d'entendre des informations à la télévision et rester les bras croisés en disant « advienne ce qui pourra ». Laissons l'État faire. Laissons les associations actuelles trouver des solutions. Frères et sœurs, dans tous les siècles, les chrétiens ont manifesté leur compassion pour la génération en souffrance. Même en période de peste, en période de crise, les chrétiens ont toujours manifesté leur amour au-delà de la société. Il serait dommage qu'aujourd'hui, avec les opportunités que Dieu nous donne, nous passions à côté. Mon frère, ma sœur, j'ai une question avant de terminer très importante. Même si je ne termine pas ce message maintenant, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ton cœur s'est rétréci ces dernières années ? Est-ce que tu peux regarder la jauge de ta compassion ? Où en est-elle ? À quel niveau est la jauge ? Où est la jauge de ta consécration ? Où se trouve le niveau ? Où est la jauge de votre disponibilité pour Dieu ? Où se trouve la jauge de votre fidélité à l'égard du service pour le royaume ? Où se trouve la jauge de la vocation dont vous parliez à tant de gens, appelés à faire ceci, appelés à faire cela, et aujourd'hui inconnus, disparus ? Quelle cohérence ! Qu'indique la jauge de notre amour pour l'œuvre de Dieu ? Son appel à la voix de l'Esprit qui nous interpelle pour mettre en place quelque chose de particulier. Mon frère, ma sœur, ce matin, que Dieu nous renouvelle dans l'amour, comme nous l'avons entendu. Que Dieu nous renouvelle dans l'amour que nous devons porter aux autres. Et réouvrons notre cœur à la voix de l'Esprit. Ouvrons à nouveau, nous aussi, notre cœur, comme Paul le réclame. Ouvrez-nous, dira-t-il, vous aussi, votre cœur. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous ne pouvons pas établir de relations de confiance qui perdurent si nous ne savons pas nous dire la vérité dans l'amour et dans la transparence. Le service pour Dieu, il me semble, commence par ces qualités que la Bible appelle la consécration. Et cela se traduit par la disponibilité et un amour vrai pour servir ce Dieu qui nous a sauvés au travers de l'Église locale où il nous a placés, vous et moi, aujourd'hui. Sans calcul, sans ambition personnelle, sans chercher une réalisation personnelle, mais un choix délibéré d'un cœur vrai, sincère, qui ne veut qu'une chose, servir simplement ce Sauveur et ce Seigneur qui nous a rachetés pour l'éternité. Prenons un temps de recueillement et laissons Dieu faire son chemin maintenant dans nos cœurs. Est-ce que je peux vous inviter à fermer vos yeux quelques instants ? Est-ce que je peux vous inviter à vous concentrer simplement sur le Seigneur ? Et j'aimerais avoir une prière pour toi, mon frère, ma sœur. Oui, une prière pour ceux qui nous suivent aussi à la vidéo. Si votre cœur s'est refermé ces dernières années, je peux vous dire que ce n'est pas indéfini et ce n'est pas pour l'éternité. Vous pouvez choisir que ce soit terminé et pour l'éternité. Ça sera une décision personnelle. Mais vous pouvez permettre ce matin même au Saint-Esprit de vous visiter maintenant et de trouver l'ouverture de votre clé pour ouvrir votre cœur. Il a la clé. Il sait dans quelle serrure il faut aller.
Permettez au Saint-Esprit de le faire. Ne restez pas sur vos frustrations, mais permettez au Seigneur d'aller plus loin maintenant avec vous. Retrouvez ce cœur large, rempli d'amour, compréhensif. Non pas un cœur qui est dans le jugement ou la condamnation, un cœur qui est dans le passé ou toujours en quête de ce qui s'est passé hier, mais un cœur qui va se laisser rafraîchir pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre aujourd'hui. Oh, mon frère, ma sœur, vous qui êtes là ce matin, en haut au balcon comme ici, ou à travers les réseaux sociaux, laissez simplement le Saint-Esprit vous visiter maintenant, au nom de Jésus. Laissez l'Esprit de Dieu vous atteindre. Laissez la grâce de Dieu vous inonder et venir descendre tranquillement pour parler à votre cœur. Si vous connaissez, vous aussi, des amis ou des frères et des sœurs avec qui vous étiez en relation et qui sont partis loin, qui peut-être sont en train de se perdre aujourd'hui, votre rôle, c'est d'aller les chercher également. En tout cas, de les interpeller et de leur dire que les bras de Christ sont toujours ouverts et la porte est aussi toujours ouverte pour tous ceux et celles qui ont le désir de venir s'impliquer et d'œuvrer pour faire croître le royaume de Dieu afin de pouvoir sauver des âmes ensemble. Seigneur, je te prie, pour l'Église, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour mes amis qui sont là, je te prie pour tous ceux qui nous suivent. Et s'il y a des hommes et des femmes qui sont dans ces certaines circonstances, touche leur cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Je demande d'opérer un miracle, un signe, un prodige qui vient de toi. Quelque chose qui va faire que l'Église va prendre une autre forme. Où nous allons à peine entrer dans ce lieu et nous allons sentir la manifestation de ton amour. Pas simplement de ta puissance ou de ton onction, mais de ton amour. Parce que chacun d'entre nous, nous allons dégager l'amour de Jésus-Christ. Nous allons dégager, transpirer de la bonne odeur du Seigneur qui nous aura visités, relevés et transformés. Alors Seigneur, sois béni pour ton action et ton œuvre maintenant dans le nom de Jésus. Prenons un chant ensemble pour terminer ces moments. Et laissons pendant ce moment encore le Seigneur nous visiter ce matin. De balcon, il n'y a pas d'étage, de rez-de-chaussée, on est tous ensemble. Il n'y a pas d'internet, on a plus de 60 familles qui nous suivent actuellement. On est ensemble dans un lien d'amour. On veut proclamer que nous voulons revivre et vivre pleinement ce lien d'amour. Alléluia. Amen. On le reprend ensemble. Nous sommes un. Nous sommes dans un lien d'amour.
à vous. Maintenant, j'entends tous ensemble et que son amour se défend. Donne-nous pas la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Les frères, ensemble, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Les hommes, je vous entends. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Tous ensemble, alléluia, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Manifeste ton unité, Seigneur, ce matin. Nous sommes un. Manifeste les signes, les prodiges qui vont développer la miséricorde, la grâce et la compassion. Que notre esprit soit uni avec toi, mais soit uni avec les frères et sœurs dans la communion. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon retour à chacun et à chacune. Encore une fois, je vous rappelle que nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin d'un entretien, d'un rendez-vous, prenez contact avec nous. Nous sommes là toute la semaine. Que le Seigneur vous raccompagne. On se donne rendez-vous mardi, 19h, en vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou par Zoom pour pouvoir eh bien, ensemble avoir un temps encore de communion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Très bonne semaine et à très bientôt.